de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Verniolle sur BFM Business. Une quarantaine de mesures concrètes, des centaines de millions d'euros pour faciliter les investissements. L'État a décidé de mettre les gros moyens pour rendre plus que jamais Paris ville touristique au premier plan. C'est vrai qu'en termes d'attractivité, parfois, il y a un petit peu bataille. En 2014, Paris s'est vu clairement devancé par Londres. En tout cas, ce sont les chiffres dévoilés la semaine dernière par notre site internet bfmbusiness.com. Londres a augmenté de 3,5% quand Paris est resté stable. Alors, Pierre Kupferman, rédacteur en chef de bfmbusiness.com, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va voir ça avec nos invités, des invités qui auront aussi envie, j'imagine, de réagir à chaud aux annonces qui ont été faites par Laurent Fabius. Vincent Berthiaud, bonjour. Vous êtes le responsable de la communication institutionnelle du comité régional de tourisme de l'Île-de-France. À côté de vous, Emmanuel Sauvage, directeur général du groupe Evoque Hôtel Collection, un petit groupe indépendant qui croit en l'avenir de la France et en l'avenir de Paris, puisque vous êtes en train de construire deux hôtels 5 étoiles à Paris. Et puis, face à vous, Frédéric Pierret, vous êtes directeur général d'Alliance 46.2. C'est un regroupement qu'on connaît d'entreprises, une vingtaine d'entreprises, parmi lesquelles Accor, le Club Med, la SNCF, on ne va pas toutes les citer, qui ont tout ensemble décidé de mettre en commun leurs moyens, un peu d'argent et beaucoup de volonté pour relancer l'attractivité de la France. Et de réflexion. Alors, on a envie de vous poser la question en premier. Vous êtes content de ce qui a été annoncé par Laurent Fabius? Le fait qu'un homme politique de premier plan comme M. Fabius prenne en main la question du tourisme, c'est positif, c'est en soi positif. Je rappelle que le tourisme, c'est plus de 2 millions d'emplois, c'est 7 points de PIB. Savez-vous par exemple que de 2009 à 2013, sur l'ensemble des emplois créés en France, on a créé des emplois, on parle beaucoup du chômage, mais il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'emplois créés, 35% ont été créés dans le tourisme. Donc le fait qu'un ministre comme Fabius prenne en main ce sujet et le promeuve le sujet dans les politiques publiques, c'est en soi positif. Ce qu'il a fait depuis un an, rassembler un certain nombre de personnes qui connaissent le sujet d'horizons extrêmement divers, c'est positif. Maintenant, il y a toute une série de mesures. Certaines sont très concrètes, d'autres sont plutôt des grandes directions qu'il va falloir concrétiser. En soi, on ne peut qu'applaudir et se dire on est sur le bon chemin. Maintenant, est-ce que ça suffira? Ça ne suffit jamais, mais on est quand même dans la bonne direction. Merci, Bertio. On a un peu regardé les mesures, comme des 40 mesures. Moi, je cherche les mesures concrètes. Il y a des organismes de formation professionnelle du secteur qui devront faire un effort accru pour que les jeunes apprennent mieux les langues étrangères quand ils vont dans ce secteur. Ça me paraît une évidence quand même. L'obtention des visas touristiques qui va être facilitée, les opérations détaxes un peu améliorées, simplifiées, la journée du patrimoine qui devient la journée des patrimoines avec la gastronomie. Enfin, on n'a pas non plus des choses bouleversifiantes. Non, j'entends ce que vous dites. Après, effectivement, moi, je suis un peu de l'avis de M. Pierret, à savoir que c'est quand même la première fois depuis 30 ans qu'on prend autant à cœur ce sujet qu'est le tourisme. C'est quand même un secteur majeur en France, en Ile-de-France particulièrement, des millions d'emplois, comme M. Pierret l'a rappelé. Après, je retiens qu'une seule mesure, c'est celle sur l'investissement, parce que c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on a besoin de rénover un certain nombre d'hôtels, on a besoin d'une offre nouvelle. Et ces mécanismes, parce que en fait derrière ça va être de la garantie d'emprunt, c'est peut-être de la prise de participation dans certains groupes hôteliers, etc. Ça va permettre de développer une nouvelle offre, et ça en ça c'est très satisfaisant. Vous êtes d'accord, Emmanuel Sauvage, puisque vous avez vous-même investi dans l'hôtellerie à Paris, donc est-ce que vous avez besoin de l'argent public déjà? Première question. On n'a pas forcément besoin d'argent public quand on va investir sur des gros hôtels ou sur des hôtels 5 étoiles. Toutefois, on a besoin de formation et de personnel formé. Et on peut dire que c'est principalement là le gros principal problème, étant donné qu'actuellement, on n'arrive pas à recruter, notamment dans les métiers de service de la restauration, où il est vraiment très difficile d'avoir du personnel D'ailleurs, qualifié. D'ailleurs, c'est un chiffre que vous n'avez pas donné sur les difficultés pour recruter aujourd'hui, parce que c'est ça. Évidemment, il faut améliorer l'accueil, l'écrin, mais aussi l'accueil du personnel. Je ne sais pas, Frédéric Pierret. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord l'attractivité des métiers. Nous y travaillons, notamment, nous sommes en train de travailler sur une série d'idées concernant les saisonniers, puisque nous sommes dans un cycle annuel qui est extrêmement saisonnalisé. En France, entre le mois le plus creux et le mois le plus chargé,
en dehors de l'Île-de-France, qui est un peu particulière, c'est un rapport de 1 à 8. C'est-à-dire mais là, combien d'emplois ne sont pas pourvus, par exemple, à Paris, en Île-de-France? Il y en a plusieurs dizaines de milliers en France, oui, bien sûr. Donc, d'une façon générale, je retiens votre sentiment, c'est que c'est bien, mais peut mieux faire, c'est ça? Je pense que la manière dont le ministre a classé quatre grands sujets, c'est-à-dire l'investissement, la formation, le numérique et l'accueil, est une bonne approche. Nous y aurions ajouté peut-être la promotion. Peut-être qu'il faut revoir notre outil de promotion ou nos outils de promotion. Il y a quelques mesures sur la promotion qui sont intéressantes, mais on pense qu'il y a sans doute un travail de fond. Je crois qu'il va se faire dans les prochains mois, si j'ai bien compris, mais c'est un élément qui est extrêmement important. Mais il n'y a pas quelque chose qui pèse justement sur ce côté-là, parce que à Atout France, par exemple, qu'on avait convié à cette table ronde, qui n'a pas pu, pas voulu, bref, qui n'est pas venu, c'est vrai qu'on se demande un petit peu, est-ce que c'est pas là le principal problème, quoi? Je pense qu'il n'y a pas sur la communication. Il faut bien voir. Il faut d'abord les faire venir avant de bien les accueillir. Vous savez, je vais reprendre une classification chère aux professeurs de marketing. Il y a le produit, il y a la promotion. Je vais revenir au produit. Ce qui est annoncé en termes d'investissement, c'est intéressant, un fonds de plusieurs centaines de millions. C'est un fonds public. Et comme le dit monsieur, les hôteliers ont sans doute, sur un centre d'opérations, besoin de fonds publics, mais ils ont aussi besoin de financement privé. Oui. Nous travaillons et nous avons proposé, l'affaire n'est pas close, on n'en a pas parlé ce matin, mais ça n'est pas terminé, sur la création d'un nouveau type de véhicule de financement, de la pierre papier dédiée au tourisme, permettant à des particuliers, à vous, moi, aux épargnants, d'investir dans des fonds qui, eux, prêteraient aux hôteliers. Et on pense qu'il faut les deux. Un fonds public de la Caisse des dépôts, c'est excellent. Mais de la pierre papier qui puisse permettre à tout le monde d'accéder à l'épargne et d'autre part au plus petit hôtel d'avoir via sa banque, via les réseaux de sa banque, accès à ce type de financement, ça serait bien. La promotion au comité régional de tourisme, c'est quelque chose qui est fondamental pour vous. Je veux dire, la promotion dans les médias étrangers, puisqu'on parle bien sûr de la clientèle étrangère. Bien sûr, nous on réalise énormément d'opérations à l'étranger. D'ailleurs, notre directeur général est actuellement au Japon pour faire la promotion de l'offre parisienne et francilienne. Là-bas, on travaille à la fois les marchés lointains, donc les clientèles asiatiques, les Américains, qui sont une très importante clientèle à Paris. Et puis, après, il faut aussi savoir qu'on travaille les marchés de proximité. Parce que les marchés de proximité, notamment les clientèles européennes, c'est de très loin nos principales clientèles. Hein. Aujourd'hui, il y a, si on compte les Européens, c'est 70% des clientèles internationales. Alors on va parler de Paris, puisque c'est vrai, on a pu démontrer que Londres, en tout cas le Grand Londres, si on compare le Grand Londres au Grand Paris, eh bien, le Grand Londres a définitivement dépassé le Grand Paris, avec une progression de 3,5% à Londres, une stabilité, même une petite baisse en fait l'année dernière en nombre de touristes étrangers à Paris, alors que ça a monté 3,5% à Londres, mais ça a monté de 5, presque 6% à Berlin. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème à Paris spécifique? À Berlin, pardon si je peux prendre la parole, à Berlin les tarifs également de l'hôtellerie ne sont pas du tout les mêmes. L'immobilier n'est pas le même, le tarif de l'investissement n'est pas le même. Donc forcément, Paris s'est un peu aligné sur Londres en termes de tarifs de chambre, mais Berlin est nettement moins cher. Berlin, je pense, c'est une des capitales européennes en termes de chambre d'hôtel, de tarifs de chambre les moins chers de l'Europe. Alors on va comparer ce qui est comparable, effectivement, Londres-Paris. La différence, c'est que à Paris, ce me semble, on est en euros et l'euro a pas mal baissé sur l'année 2014. Par rapport au dollar. Donc il y avait un petit avantage compétitif qu'on aurait pu saisir, on ne l'a pas saisi, alors que la livre sterling est restée à peu près au même niveau, elle n'a pas beaucoup bougé sur la même période. Donc il y a bien un problème. Oui. Vincent Berthiaud ? Sans doute. Moi, surtout, ce que je voudrais quand même rappeler, et ce qu'on essaie de rappeler la semaine dernière par un communiqué de presse, Stop à l'intox, c'est qu'il y a 19,2 millions de touristes internationaux qui viennent à Paris-Île-de-France, il y en a 17,4 millions qui viennent à Londres. Nous, on travaille sur des études qui sont très robustes. On interroge plus de 50 000 visiteurs par an et c'est donc des chiffres très, très scientifiques. Donc nous sommes la première destination touristique mondiale. Après, avec l'Île-de-France, mais vous comparez un territoire gigantesque, le Grand Londres, c'est pas grand comme l'Île-de-France. Enfin, on ne va pas rentrer dans cette polémique, c'est pas très intéressant, à vrai dire. Parce qu'il y a quand même aussi un enjeu derrière de promotion, un enjeu d'image. Oui. Après, ces deux destinations amies, c'est de bonne guerre de venir nous concurrencer. On est en concurrence sur les marchés de proximité. Mais surtout, moi, je crois qu'il y a deux enseignements à en tirer. Le premier, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a une concurrence internationale qui est de plus en plus féroce.
Mais cette concurrence, elle vient pas uniquement de Londres. Cette concurrence, elle est aussi à Singapour, elle est aussi à Dubaï, elle est aussi à Bangkok ou à New York. Ça c'est un premier point. Et un deuxième point, avec Londres, on est en train de travailler à des opérations communes pour aller chercher sur des marchés lointains. On parle toujours des clientèles asiatiques, mais c'est vrai que c'est une clientèle importante qui se développe. Et donc, on va monter des opérations communes parce que ces clientèles-là, ils viennent faire des circuits européens. Ils viennent pas uniquement pour visiter Londres. Ah, du coup, le petit package, oui, ça c'est finalement plutôt que d'être ennemi, on proposait le petit package Paris-Londres. Exactement. Et Frédéric Pierret. Moi, je trouve que cette polémique est très très intéressante car elle est très très révélatrice. D'abord, relisez le communiqué du comité régional du tourisme. Il est excellent et il est vrai. Merci. Paris est devant Londres. On ne le dira jamais assez. En valeur absolue, en nombre de visiteurs, en touristes chinois, en nombre de congrès, en nombre d'événements, Paris est devant Londres. Même si on ne prend que la petite couronne plus Versailles et Euro Disney, qui sont quand même Paris, Paris est devant Londres. Pourquoi cela fait polémique ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est comment les Anglais communiquent. Qui a communiqué ? Boris Johnson lui-même. Qui a répondu ? Le directeur du comité régional du tourisme, qui est un homme tout à fait respectable. Mais dans les médias internationaux, dans l'image de Paris, Hidalgo, ça c'est vrai. Dans l'image de Paris, qui va avoir le dernier mot ? Le maire. Boris Johnson. Donc, on voit bien que déjà, dans le comportement des hommes et des femmes politiques, et ce n'est pas Mme Hidalgo qui est en cause, hein, c'est toute tendance politique confondue, il n'y a pas la même perception de l'image d'une destination, de l'image d'un territoire qu'ont les Anglais. Autre exemple, il y a moins de 3 mois, Fox News donne une information totalement tendancieuse sur les no-go zones, c'est-à-dire les endroits où on ne peut pas aller ni dans Paris, ni dans Londres, ni à Londres. Qui répond ? Côté anglais, le Premier ministre, c'est Cameron qui prend le micro, qui dit « c'est scandaleux, il n'y a pas de no-go zone à Londres ». Qui prend le micro parmi nos leaders politiques pour dire la même chose de Paris ? Je ne le sais pas. Donc ça, c'est très très révélateur. La deuxième chose, c'est pourquoi les Anglais lancent ce type de polémique ? Ça fait 2-3 ans, c'est récent. Parce qu'ils sentent des points de faiblesse du côté de Paris et c'est à ce moment-là qu'ils attaquent. C'est quoi ces points de faiblesse ? Je crois qu'il y en a 4. Un, la capacité hôtelière qui est un problème majeur dans Paris. Bah, le succès d'Airbnb, le succès d'Airbnb en est un élément, encore qui est aussi un phénomène de mode, mais sur les grosso modo 80 000 chambres qu'il y a à Paris, il en manque 20 000, 90 000, hein, il en manque 20 000. Il y a une étude de la chambre de commerce qui... Nous manquons de capacité hôtelière. Deuxième élément. Juste un point, je vous arrête pour citer les autres éléments. Il en manque parce que les hôteliers ne veulent pas investir, parce qu'il n'y a pas de foncier pour le faire. Les hôteliers ne demandent qu'investir. Il y a le coût du foncier, il y a un manque de foncier. Il y a sans doute, mais ça c'est un problème ancien à Paris, une insuffisante prise en compte dans les plans d'urbanisme de ce qui doit être réservé à l'hôtellerie et au tourisme. Emmanuel Sauvage, vous qui êtes hôtelier, pardon, vous pouvez répondre aussi sur ce point. Oui, c'est vrai que parfois, en plus, l'hôtellerie est concentrée sur certains quartiers qui, eux, sont déjà, on peut dire, un peu saturés. Et c'est vrai que sur d'autres quartiers plus centraux, qui ont maintenant plus le vent en poupe, il est difficile d'avoir des immeubles, de trouver des immeubles à transformer en hôtels d'une taille en mètres carrés suffisante pour avoir une rentabilité suffisante pour des groupes. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un minimum de à peu près 40 chambres pour que ça puisse être une opération rentable. Donc c'est vrai que certains arrondissements où il est difficile de trouver ce type d'immeuble. Donc c'est vrai qu'on retravaille, la carte parisienne de l'hôtellerie est en train de se retravailler en fonction des gammes, de 3 et 4 étoiles n'ont pas forcément la même localisation que les 5 étoiles. Donc il est important d'arriver à remettre un petit peu de l'ordre là-dedans et à avoir des immeubles à transformer pour pouvoir investir. C'est vrai qu'on souhaite investir, il est difficile de trouver des immeubles pour investir, étant donné qu'on a aussi une concurrence en termes de capitaux de partout, qui ne vont pas forcément transformer ces immeubles en hôtels. Donc parfois, vous avez sur le même immeuble des fonds du Qatar, des fonds de l'Asie, des fonds... Parfois, les prix de vente peuvent être au double ou au double de la valeur du bien. Donc il est bien évidemment impossible de faire un hôtel derrière. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment retravailler aussi un petit peu tout ça. Frédéric Pierret, alors vous arrêtez dans votre démonstration. Donc l'hôtellerie, puis... Deuxième sujet, qui est un sujet plus récent, mais qui est à nos yeux un sujet aigu, c'est le problème de la sécurité à Paris et de la perception de la sécurité. On l'a vu avec l'affaire des pickpockets autour de la Tour Eiffel, par exemple. Il y a plus grave. Trois exemples. 2013, le président chinois lui-même,
lors de la visite du président Hollande en Chine, en parle au président de la République française. C'est une première, ça ne s'est jamais vu. 2014, les personnels du Louvre font grève à cause de problèmes de sécurité. Et il y a à peine un mois, le 22 mai, les personnels de la Tour Eiffel. Donc, est-ce que c'est gravissime en soi? C'est difficile à mesurer, mais ce sont des indices qui montrent que nous avons un problème à régler. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits. Il y a eu des réponses policières qui ont été tout à fait intéressantes. Je ne suis pas certain que l'on ait pris la mesure de l'impact de ces phénomènes, d'autant plus qu'ils sont évidemment amplifiés et déformés, répétés et amplifiés sur Internet. Il faut voir la blogosphère chinoise. En ce moment même, elle parle encore de la grève des personnels de la Tour Eiffel. Ça a un effet, un impact considérable et nous manquons sans doute une présence en termes de contre-buzz, si vous me permettez l'expression, pour contrer ce genre de choses. Donc, il y a un problème de sécurité qui n'est pas gravissime, mais qu'il faut traiter. Il y a Vincent Berthaud qui voulait réagir. Juste un petit scoop, puisqu'on sera très prochainement présent sur les réseaux sociaux chinois. Justement, pas uniquement pour ça, mais pour faire de la promotion tout d'abord, mais aussi pour répondre à ce genre de rumeurs, parce qu'on est plus dans la rumeur. Paris est loin d'être une ville où il y a une très forte délinquance, pas plus que dans d'autres capitales européennes. Non, pas plus, mais c'est pas forcément une rumeur. Il faut pas nier non plus la vérité. C'est pas une rumeur. Il y a quand même des problèmes de délinquance ou de pickpocket, que ça soit dans les principaux musées, mais également dans les plus beaux quartiers, soit vers la place Vendôme, et également à l'arrivée à l'aéroport. C'est-à-dire que pour peut-être rappeler que quand même à l'international, si je peux me permettre. Le problème des touristes asiatiques, c'est qu'ils visitent Paris avec beaucoup de billets dans les poches. Oui, je conteste. Enfin, même avant la sortie, juste avant, à l'arrivée à l'aéroport. Parfois, ils se font casser les huîtres dans les taxis. Oui, c'est une vieille tradition asiatique, japonaise notamment, il y a plus de 20 ans. Mais maintenant, c'est un peu... Ça n'avait pas atteint ce point-là. Cela étant, il ne faut pas l'amplifier. Paris est une ville qui accueille les touristes avec un niveau de sécurité qui est tout à fait remarquable. Mais c'est l'image qui actuellement est endommagée. C'est réparable, rien n'est inéluctable, mais il faut s'en occuper très sérieusement. Le troisième sujet, on l'a vu... ces derniers mois de façon, je veux dire, attristante, c'est la manière dont une partie de la classe politique n'a pas compris que si le tourisme de shopping est aujourd'hui un segment en plein boom au niveau international, nous sommes dans une compétition féroce avec Londres, avec Barcelone, avec Berlin, avec Dubaï, et l'histoire du travail dominical qui est très difficile à faire avancer. On voit bien que même dans la loi... Ça devrait avancer, là. Comme... S'il y a un accord des syndicats, si les syndicats sont d'accord. Donc, si les syndicats ne sont pas d'accord, il n'y aura pas d'ouverture le dimanche dans les zones touristiques internationales. On voit bien que la France, là-dessus, j'allais dire, psychologiquement, même dans l'opinion, a du mal à comprendre qu'il y a un enjeu majeur, absolument majeur, en matière de shopping et d'ouverture dominicale. Frédéric Pierret, pardon, juste en un mot, mais vraiment un mot, c'est quoi le quatrième point? Et puis, le quatrième point, c'est la promotion. Parfait. Et bien justement, là, il y a pas mal de choses à faire. Mais je voudrais quand même accueillir Jennifer Guédon sur le plateau. Bonjour Jennifer. Bonjour Karine. Notre chroniqueuse à BFM Business. Parce que vous, justement, ce dont on parlait au départ, la bataille Paris-Londres, vous vous êtes penchée un petit peu sur ce que l'on offrait d'un côté et de l'autre. Et là, il y a des bonnes surprises. Oui, non, moi j'ai envie de vous réconcilier surtout. Je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur. C'est vrai, la plus haute piscine occidentale, il faut le reconnaître, elle est à Londres. Mais elle est payante, il faut être client. Alors qu'en France, on a fait un effort. Scoop pour l'été, pour tous ceux qui voudraient vivre la summer live à Paris, Molitor offre un nouveau concept. On peut enfin arriver à se baigner à la piscine Molitor. Il y a des petits services qui sont offerts. Sans être client, précisez. Sans être client, voilà, oui, de l'hôtel. Parce que sinon, vous pouvez penser qu'on peut... Évidemment. Côté transport, Paris aussi, on dit toujours, oh là là, c'est un peu la panacée. Eh ben voilà, le Peninsula a trouvé la solution. On a carrément les Rolls-Royce qui sont mis à disposition, une flotte automobile. Évidemment, ça fait partie de la passion de Sir Michael Cadry, le propriétaire du Peninsula, qui s'est dit, ben voilà, mais mes pauvres clients, comment faire? Eh oui, vivons Good Lux Paris. Et au fond, finalement, même les groupes hôteliers investissent aussi bien à Paris et à Londres. Non, et très sérieusement, évidemment. Et puis l'union fait la force, en fait. Ça marche dans les deux sens. J'ai un exemple très concret. L'ouverture planifiée, c'est 2016. Il s'agit en fait d'un projet donc franco-britannique entre Jean-Louis Coste, donc Hôtel Coste, évidemment,
Mitterrand et le très célèbre propriétaire foncier Cadogan qui va ouvrir un boutique hôtel. Là, on est à Sloan Square, donc en plein cœur du centre londonien. Je vous assure, c'est à suivre. Et un projet actuel ? Projet actuel, très très attendu. C'est là, c'est 1er juillet. C'est le groupe Octer Collection. C'est le grand hôtel qui va faire vraiment parler de lui. On le connaissait déjà, mais 18 mois de travaux pour revivre le Nana's Borough. Et là, on est où ? Bah, tout simplement, près du palais de Buckingham. On peut aller flâner. La suite royale, figurez-vous, c'est quand même 7 chambres. Ah oui, Octer Collection, c'est le Bristol aussi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Elle est très rapidement, justement, c'est pour ça, justement, l'Angleterre. Le Bristol est en fête et c'est la fête. Et l'Angleterre est en fête dès ce soir. Je vous invite tous à rejoindre l'hôtel Vendôme. C'est carrément tout le quartier. L'Angleterre est là. L'ambassadeur Sir Peter Ricketts est là en présence. On peut même jouer au golf, déguster cocktail à l'hôtel Vendôme. Rendez-vous ce soir. Eh oui, ça c'est tout le quartier. Comme quoi, finalement, c'est ce que vous disiez. On fait un petit package Paris-Londres. Merci beaucoup à vous, Vincent Berthe, responsable de la communication institutionnelle du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Emmanuel Sauvage, on est obligé de dire en passant que vous étiez aussi à Paris et à Londres. Oui. Directeur général du groupe Evoque Hôtel Collection, Frédéric Pierret, Alliance 46-2. On reviendra, vous reviendrez nous voir rapidement parce que vous avez travaillé sur Paris 2025, aussi sur la France 2025. Vous aurez des choses à quand vous le souhaitez. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup Jennifer et Guédon, merci Pierre Kupferman, on vous retrouve même endroit, même heure, la semaine prochaine. Allez, restez avec nous, Godux Paris continue dans un instant, juste après le rappel de l'actualité. Godux Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale.